Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers apprenants, chères apprenantes, bonjour et bienvenue dans les cours des sciences de la vie et de la terre destinés aux deuxième année bac international, option française, filière SVT et sciences physiques. On va commencer par la première unité intitulée « Consommation de la matière organique et flux d'énergie ». Pour l'introduction, vous savez tous que les plantes vertes utilisent l'oxygène, ça veut dire respirent. Elles vont absorber l'oxygène et rejeter le CO2 pendant la nuit. Bien sûr, elles prennent les minéraux et l'eau à partir du sol et rejettent l'eau par transpiration. Ce phénomène s'appelle la respiration et se fait pendant la nuit. Tandis que pendant la journée, on trouve que les plantes vertes rejettent le CO2 et absorbent le CO2, rejettent l'oxygène et absorbent le CO2. Donc s'ajoute ce phénomène-là appelé la photosynthèse parce qu'il se déroule pendant la journée. Et on remarque que la quantité d'oxygène rejetée est très supérieure ou bien très importante par rapport à l'oxygène absorbé. C'est pour ça qu'on peut dire que la photosynthèse se fait pendant la journée et la respiration se fait surtout pendant la nuit. Bien sûr, toujours, on a ici, il prend les minéraux et l'eau à partir du sol, d'accord, et il rejette de l'eau par transpiration. Autrement dit, la plante verte appelée chlorophyllienne, ça veut dire elle possède des chloroplastes, d'accord? Elle utilise l'énergie lumineuse ou bien l'énergie photonique pour fabriquer la matière organique. Qui dit matière organique dit les glucides, ça veut dire les sucres, et dit aussi les protéines et les lipides. D'accord? Donc ça se fait pendant la photosynthèse, qui se fait pendant la journée. Photosynthèse, photo, ça veut dire la lumière, synthèse, ça veut dire production. Production de quoi? Production de matière organique. Ici, la matière organique est représentée par les glucides. D'accord? Donc la plante, elle va utiliser l'énergie lumineuse et H2O, l'eau. Elle va absorber le CO2 et elle va rejeter l'oxygène. Ça veut dire l'inverse de la respiration. Parce qu'elle va absorber le CO2, elle va rejeter l'oxygène. Et en parallèle, elle va produire, elle va synthétiser la matière organique. D'accord? Ça, c'est pendant la journée. Par contre, la respiration qui peut se faire aussi bien pendant le jour ou bien pendant la nuit, il va absorber l'oxygène. Comme vous le savez tous, la respiration, c'est lorsqu'un être vivant absorbe l'oxygène et rejette le CO2. Vous remarquez qu'il va dégrader le glucose, donc pour faire sortir de l'énergie nécessaire à cette plante. D'accord? Donc la respiration, ça veut dire quoi? La respiration, c'est l'absorption de l'oxygène et le rejet de CO2, et en dégradant la matière organique, surtout les sucres, pour faire sortir de l'énergie nécessaire à cette plante. D'accord? Remarquez cette équation ici. Donc, on a dans les réactifs, on a l'eau. La plante va utiliser de l'eau, des sels minéraux, donc qui va trouver dans le sol le CO2 à partir de l'atmosphère. En présence de la lumière, il va fabriquer de la matière organique en rejetant l'oxygène. Donc ici, il ne s'agit pas de respiration, c'est l'inverse, parce qu'on a l'absorption de CO2, et puisqu'on a la formation ou bien la synthèse de matière organique en présence de lumière, donc c'est de la photosynthèse. D'accord? Très bien.
Et pour comprendre le titre, notre titre de cette unité consommation de la matière organique et flux d'énergie, remarquez, on a ces deux équations qui sont inverses. Première équation, on a dans les réactifs, ici, on a le CO2 et on a la production de glucose, ça veut dire matière organique, sucre, d'accord, et rejet de l'oxygène. Donc, c'est pas la respiration, mais c'est la photosynthèse. Deuxième équation, c'est la respiration parce qu'on a ici l'absorption de l'oxygène et le rejet de CO2. Et vous remarquez, dans la première relation, on a production de glucose, d'accord? Et dans la deuxième réaction, c'est l'inverse, on a utilisation de glucose. Ça veut dire consommation de glucose. Donc c'est pour ça, pour comprendre ce titre-là, consommation de la matière organique, ça veut dire qu'on va s'intéresser surtout à la deuxième formule, d'accord? Et pourquoi on a cité la photosynthèse, c'est pour savoir d'où vient cette matière organique qui va être consommée. D'accord? Donc, c'est juste comme rappel de la dernière année, parce que vous avez déjà vu la photosynthèse au cours de laquelle se fait la formation ou bien la synthèse de la matière organique en présence de l'énergie lumineuse. D'accord? Mais cette unité, on va s'intéresser surtout à l'utilisation de cette matière organique. Donc, on va s'intéresser surtout au glucose comme matière organique type. D'accord? Donc, la respiration consiste à la dégradation ou bien à l'exploitation de ce glucose-là pour faire sortir de l'énergie nécessaire à la cellule. Bien sûr, en utilisant l'oxygène et en rejetant de CO2 et H2O, d'accord? Donc, pour l'introduction, en présence de la lumière, donc ce rappel s'intéresse à la photosynthèse, bien sûr, ça veut dire le phénomène qui va produire de la matière organique avant d'être consommée. Donc, en présence de la lumière, les végétaux chlorophylliennes, ça veut dire les végétaux verts qui possèdent des chloroplastes, chlorophyllien, producteur, ça veut dire producteur de matière organique, fabrique, synthétise, donc fabrique la matière organique, qui dit matière organique dit glucides, protides, lipides, et on va s'intéresser surtout aux glucides et surtout le glucose, parce que toutes ces matières organiques vont être transformés en glucose. D'accord? Donc cette année, on va s'intéresser surtout à l'utilisation de glucose comme source de matière organique et comme source d'énergie. Donc fabrique la matière organique, glucides, protides, lipides, à partir des substances minérales. D'accord? Les substances minérales de l'eau, des sels minéraux, qu'on peut trouver que peut la plante trouver dans le sol et le dioxyde de carbone atmosphérique, CO2. Ce phénomène, bien sûr, est appelé la photosynthèse. D'accord? Voilà la réaction. En présence de la lumière, on a fabrication de matière organique. D'accord? Ici, on a le flux d'énergie parce que toujours dans le titre, si vous remarquez, dans notre titre, consommation de la matière organique, vous le comprenez d'abord, et flux d'énergie, ça veut dire quoi flux d'énergie? Flux d'énergie, ça veut dire on a de l'énergie lumineuse qui va être transformée en énergie chimique sous forme de matière organique. D'accord? Donc flux d'énergie, remarquez, les plantes vertes vont utiliser l'énergie photonique. Elle va être transformée en glucose, matière organique, donc c'est une énergie chimique, d'accord? Et on peut représenter cette formule de cette manière, donc la lumière plus le CO2 plus H2O qui sont des matières minérales, et pour fabriquer le C6H2O6, c'est une matière organique. Toujours, si vous entendez la matière organique, c'est une molécule composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, etc. D'accord? Donc, cette molécule, il faut
retenir le glucose C6H12 ou 6, d'accord? Avec libération d'oxygène. Pourquoi je dis qu'on a le flux d'énergie, donc l'énergie lumineuse va être transformée en glucose, C6H12O6. Ce glucose va être utilisé par la plante lui-même en cas de besoin. Voilà la plante, d'accord? Soit par les animaux herbivores qui se nourrissent de ces végétaux, soit par les animaux omnivores ou bien l'homme qui va utiliser le glucose, d'accord? Pour faire sortir l'énergie nécessaire, soit pour grandir, soit pour faire d'autres activités, et surtout pour faire sortir un autre type d'énergie. Donc, on a le flux d'énergie à partir de la lumière vers formation de glucose, vers l'extraction ou bien transformation de glucose en un autre type d'énergie appelée ATP. Cet ATP, c'est très très important parce que c'est une forme d'énergie utilisable par les cellules, aussi bien des cellules végétales que des cellules végétales que animales. D'accord? Avec bien sûr régénération de CO2 et H2O qui peuvent être réutilisés par les plantes. Donc c'est ce qu'on appelle le cycle de la matière. Cycle de la matière, d'accord? Donc matière organique. Ici on a des éléments minéraux que peut la plante réutiliser, aussi les minéraux à partir du sol. Donc je dis dans la deuxième formule, vous trouvez ici la formule concernant la respiration, d'accord? Donc première formule, c'est la formule de la photosynthèse, parce que on a ici l'utilisation de CO2 et libération d'oxygène avec formation de la matière organique. Concernant la deuxième formule, c'est la respiration, c'est l'inverse de la première formule. Ici, on a le glucose C6H2O6 qui va être dégradé ou bien consommé en présence d'oxygène, d'accord? Voilà. Il va être utilisé soit par la plante, soit par d'autres animaux qui sont des consommateurs. Donc, avec libération de CO2 et H2O, d'accord? Plus production de cette molécule ATP. D'accord? La molécule ATP, c'est une molécule simple mais riche en énergie. Le glucose aussi est riche en énergie parce que c'est le glucose qui va être dégradé pour avoir de l'ATP. Mais l'ATP, c'est en forme de l'énergie qui est utilisable, simple à utiliser par les cellules. D'accord? Donc, toujours dans l'introduction, deuxième Thierry, alors que les consommateurs utilisent ces molécules organiques, d'accord? Les molécules organiques, le glucose, etc., les protéines, les lipides, elles vont être tous transformées en glucose. Après, elles vont donc utiliser ces molécules organiques pour produire leurs propres molécules organiques, ça veut dire l'ATP, pour produire leurs propres molécules organiques. Tous les cellules, qu'ils soient photosynthétiques ou non, qu'ils soient de cette plante ou bien des animaux, d'accord? Qu'ils soient la plante lui-même, c'est elle a besoin de l'énergie, ou bien d'autres êtres vivants qui vont se nourrir de ces plantes, d'accord? Ça veut dire les consommateurs. Qu'ils soient photosynthétiques ou non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire. Donc, produisent de l'ATP qui est ensuite utilisable pour toutes les activités cellulaires. Donc, cette formule, cette forme d'énergie qui s'appelle ATP, c'est simple à utiliser pour toutes les cellules. D'accord? Donc, cet ATP, ça veut dire quoi l'ATP? Donc, c'est une molécule, voilà, ATP. ATP, ça veut dire adénosine triphosphate. Adénosine, voilà l'adénosine, c'est se compose de l'adénine, c'est une base azotée, et de ribose, un sucre. D'accord? Donc, adénosine triphosphate. Triphosphate, voilà le phosphate, combien de pi? On a 3 pi, donc phosphate, phosphate, phosphate. Donc, 3 phosphates, on dit triphosphate. Donc, adénosine triphosphate.
D'accord? Cette molécule est une molécule énergétique, riche en énergie, surtout ces liaisons entre les P. D'accord? Cette liaison-là et aussi cette liaison-là, elles sont riches en énergie. Donc c'est ça la molécule d'ATP. Donc il ne faut pas retenir la formule de l'ATP, mais seulement que l'ATP est une molécule riche en énergie. Donc voilà l'ATP. On peut la représenter ici aussi comme ça. Donc on a l'adénosine triphosphate. Voilà les triphosphates. Parce que ces liaisons qui nous intéressent, qui sont très riches en énergie, donc l'ATP, donc la cellule peut casser cette énergie-là. C'est cette liaison qui sont riches en énergie. Donc c'est on a ici ce qu'on appelle l'hydrolyse de l'ATP. On va aboutir à la formation de l'énergie. Et on va donc comme résultat, adénosine, on a seulement deux phosphates plus un phosphate inorganique avec libération de l'énergie. Ce composé-là, c'est l'adénosine. Ici, on ne peut pas dire triphosphate, mais seulement deux phosphates. Donc, on peut dire l'adénosine diphosphate. D'accord? Plus l'énergie, plus phosphate inorganique. Donc, ATP va donner quoi? Va donner ADP plus PI plus de l'énergie. Cette énergie qui nous intéresse. D'accord? Et pour aboutir à l'ATP à partir de l'ADP, si vous avez ADP et un PI libre, en présence de l'énergie, vous pouvez régénérer cette molécule d'ATP. D'accord? Plus H2O. Donc, ADP plus PI plus de l'énergie, donc donne à nouveau une autre molécule d'ATP. D'accord? Donc, en bref, je répète, donc on a l'énergie lumineuse, l'énergie photonique, elle va être utilisée par la cellule végétale. D'accord? Donc voilà le noyau, le cytoplasme. D'accord? L'échelle ici est non respectée. Bien sûr, voilà le chloroplaste. Vous savez, le chloroplaste qu'on peut trouver dans les cellules végétales. D'accord? Donc, cette chloroplaste va synthétiser la matière organique, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Les photons, ça veut dire la lumière. Synthèse, ça veut dire production de la matière organique. D'accord? Donc, cette matière organique, c'est le glucose. Chloroplaste va synthétiser le glucose, d'accord? En utilisant le CO2 et H2O pour produire du glucose en libérant l'oxygène. D'accord? Une fois cette matière organique est formée, elle peut être utilisée par la plante végétale, la plante lui-même, d'accord? Si, en cas de besoin. Mais peut aussi être utilisée par la cellule animale, ça veut dire d'un animal qui se nourrisse de cette plante, d'accord? Voilà la cellule animale. Elle va utiliser ce glucose pour faire sortir de l'énergie appelée ATP, d'accord? Donc, le glucose rentre dans la cellule. Et ici, dans la cellule animale, on n'a pas de chloroplaste pour faire produire de la matière organique, mais on a d'autres organites. Et on va s'intéresser cette année aux mitochondries qu'on peut trouver dans le cytoplasme des cellules animales. Ce mitochondrie, elle va faire sortir de l'énergie accumulée, l'énergie stockée dans la matière organique, d'accord? Donc, sous forme d'ATP. En libérant le CO2 et H2O, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Donc, c'est quoi la respiration cellulaire? C'est la dégradation du glucose en présence de l'oxygène et en libérant le CO2 H2O. Et on a ici l'ATP sous forme d'énergie chimique. Donc, on remarque qu'il y a un flux d'énergie à partir de la lumière vers le chloroplaste qui va synthétiser le glucose, ça veut dire la matière organique, énergie chimique. D'accord? Le mitochondrie aussi va utiliser le glucose pour produire de l'énergie chimique utilisable par les cellules. D'accord? Très bien. Et ici, autrement dit,
parce que vous pouvez trouver dans des exercices et aussi on va utiliser des termes dans les prochains cours, inshallah, ce qu'on appelle le métabolisme. Ça veut dire quoi, le métabolisme? Donc, vous remarquez que donc on a l'anabolisme, remarquez ici, on a ce qu'on appelle l'anabolisme et le catabolisme. Quelle est la différence? On a par exemple les matières minérales que peut être utilisées par la plante, par exemple le CO2, par exemple l'H2O. L'énergie lumineuse provient du soleil pour que la plante synthétise le glucose. Ça, on l'appelle l'anabolisme. Donc ça veut dire quoi l'anabolisme? C'est production. Production d'une molécule. Ici, la matière organique. D'accord? Production, synthèse de la matière organique. Ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait le chloroplaste? Le chloroplaste synthétise le glucose. Ça veut dire il fait l'anabolisme. D'accord? Ça veut dire quoi le catabolisme? C'est l'inverse. Le catabolisme, c'est lorsqu'une molécule est dégradée, d'accord, pour faire sortir de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le catabolisme. Ici, donc, la respiration cellulaire, on peut l'appeler aussi le catabolisme. Pourquoi? Parce qu'on a dégradation de la matière organique. C'est pas formation comme ici, d'accord? Donc le mitochondrie, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait l'anabolisme ou bien le catabolisme? Bien sûr, il fait le catabolisme parce qu'il dégrade, le glucose pour faire sortir de l'énergie, d'accord? En libérant le CO2 et d'autres molécules minuscules, d'accord? Un autre terme, le métabolisme, ça veut dire quoi le métabolisme? C'est l'ensemble de l'anabolisme et le catabolisme. D'accord? Le métabolisme, c'est l'anabolisme pour plus le catabolisme. Anabolisme plus catabolisme, c'est le métabolisme. On peut dire que c'est un cours qui s'intéresse, par exemple, au métabolisme. Ça veut dire synthèse et dégradation. D'accord? Un autre terme, métabolite. Ça veut dire quoi un métabolite? Par exemple, le glucose. Ici, cette matière organique, on peut l'appeler métabolite. Si vous entendez métabolite, ça veut dire, par exemple, une molécule qui peut être synthétisée. Ça veut dire l'anabolisme. Et qui peut être aussi dégradée. Ça veut dire le catabolisme. D'accord? Et la fameuse molécule ici, c'est le glucose. Cette année, on va s'intéresser à ce glucose-là. Donc, le glucose, c'est la formule chimique 6,6, parce qu'on a 6 carbones. Voilà, le glucose, on a combien de carbones? Ça, c'est donc c'est une molécule de carbone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on a 6 carbones. D'accord? On peut la représenter également comme ça. Donc, 6 molécules de carbone. Et ces molécules d'oxygène et 12 molécules d'hydrogène. D'accord? 6,6, H2O6. On a ici aussi cette formule-là. D'accord? Et c'est pour ça qu'on représente le glucose comme ça. D'accord? Le glucose, donc ça c'est le carbone, carbone, carbone. Et ces liaisons sont très riches en énergie. C'est pour ça que la cellule va dégrader le glucose pour faire sortir de l'énergie à partir de ce glucose sous forme d'ATP. D'accord? On peut dire que on peut dire aussi que pour que la plante synthétise une molécule de glucose, peut-être elle va être besoin de combien d'atomes de carbone? 6 molécules de CO2 par exemple. Elle va être besoin de 6 molécules de CO2. Eh bien, pour dégrader cette molécule, la cellule animale va libérer 6 molécules de CO2. D'accord? Aussi, l'amidon, comme vous le savez, l'amidon, donc c'est un sucre qu'on peut trouver surtout dans par exemple, les tubercules des pommes de terre.
D'accord? C'est un ensemble de glucose, ensemble de molécules de glucose. N molécules de glucose, c'est de l'amidon. D'accord? Et également le glycogène. Vous avez étudié l'année dernière le glycogène. Mais pour que la cellule utilise la matière organique, le glycogène doit être transformé tout d'abord en glucose et après la cellule va l'utiliser et va le dégrader en ATP. D'accord? Donc je répète, ici c'est l'anabolisme, ici c'est le catabolisme. Et on va s'intéresser à l'utiliser au catabolisme, ça veut dire la consommation ou bien la dégradation de glucose en ATP. Et bien sûr, ici, vous remarquez qu'il y a de l'oxygène pour faire la respiration, pour que la cellule fasse la respiration cellulaire. Mais supposons qu'on n'a pas de l'oxygène. Par exemple, il n'y a pas d'oxygène. Qu'est-ce qu'elle va faire? La cellule, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'il va. Donc, soit elle va peut-être mourir, soit elle va chercher une autre voie pour faire le catabolisme de glucose. Donc, quelle est l'autre voie, ou bien quelle est la réaction chimique, ou bien quelle est d'autres types de catabolisme que la cellule peut faire. Donc, c'est ce qu'on appelle, en absence d'oxygène, on peut parler de fermentation. D'accord? Donc, je répète, si la cellule existe dans un milieu où il y a l'oxygène, on dit que ce milieu est donc c'est ce qu'on appelle l'aérobie, d'accord? Donc dans un milieu aérobie, ça veut dire il existe de l'oxygène et des molécules à dégrader, donc la respiration se déroule au niveau des mitochondries, d'accord? Mais si on a ce qu'on appelle l'anaérobie, ça veut dire on n'a pas de l'air et surtout on n'a pas de l'oxygène qui nous intéresse, la molécule de glucose va être dégradée, mais pas dans le mitochondrie, elle va être dégradée à l'intérieur de la cellule, ça veut dire au niveau du cytoplasme, en faisant ce qu'on appelle la fermentation. Donc la cellule va faire la fermentation pour faire sortir de l'énergie. Donc parmi les questions qui se posent maintenant, c'est quelle est la différence entre la fermentation, d'accord, et la respiration cellulaire? Quelle est la différence entre ces deux voies métaboliques? D'accord? Vous avez déjà une différence ici. Donc, la fermentation se déroule dans des milieux anaérobies, mais la respiration se déroule dans des milieux aérobies. D'accord? Mais quelles sont d'autres différences? Par exemple, le bilan énergétique, ça veut dire combien d'ATP on va obtenir à partir de glucose si la cellule fait la fermentation, et combien de molécules d'ATP qu'on va obtenir à partir de glucose si la cellule fait la respiration cellulaire. D'accord? Donc, comme problématique de ce chapitre, comment on peut mettre en évidence la respiration et la fermentation? Ça veut dire comment on va suivre les changements ou bien les réactions qui se déroulent au niveau de la cellule. Par exemple, on va suivre la libération de CO2, ou bien la consommation d'oxygène, la dégradation de glucose. Donc, c'est pour comme ça on peut mettre en évidence la respiration. Ou si la fermentation, on va par exemple poser des cellules animales dans des milieux anaérobie, ça veut dire l'absence d'oxygène, et on va voir qu'est-ce qu'il va, etc. Donc, comment on peut mettre en évidence la respiration et la fermentation, où se déroulent ces phénomènes métaboliques, la respiration au niveau de mitochondries et la fermentation au niveau du cytosol, ou bien l'hyaloplasme, ou ce qu'on appelle le cytoplasme. D'autres questions, par exemple, comment se fait la libération de l'énergie emmagasinée? Donc, dans la matière organique, vous savez que le glucose est riche en énergie. Quels sont, autrement dit ici, quelles sont les réactions chimiques qui vont être utilisées, ou bien quelles sont les réactions chimiques qui vont se passer pour libérer de l'énergie emmagasinée dans le glucose, aussi bien
pour la respiration cellulaire que la fermentation soit alcoolique ou bien lactique. On va vous détailler tout ça, inshallah, après. Donc, la prochaine vidéo, inshallah, on va s'intéresser à la mise en évidence de la respiration et la fermentation. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, inshallah.